Vous êtes sur RTL. Bon. D'accord. Et toujours aussi beau. Non mais voilà, je suis un peu midinette. Vous êtes seul juge. Exactement. Et j'ai toujours raison. Allez, à 6h55, code 9 dans votre ciel ce mercredi 7 août. Voici la réponse avec Christine Haas. Bonjour Christine. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Lion, c'est Vénus qui est en parfaite conjonction avec le Soleil aujourd'hui. Alors si vous avez envie de séduire quelqu'un ou d'être séduit, rien ne pourra vous en empêcher. Vierge, le Soleil et Vénus fraternisés éclairent votre schéma amoureux. Il semblerait que c'est en soignant ceux que vous aimez que vous leur montrez vos sentiments. Balance, la conjoncture actuelle est faite de douceur, d'amitié et d'affinité avec celui ou celle que vous aimez et est également propice aux célibataires. Scorpion, Vénus s'est rajoutée, donc à l'harmonie Soleil-Jupiter et les trois planètes n'ont qu'un but, vous aider à conclure une affaire qui parle plus d'argent que d'amour. Sagittaire, chez vous, l'amour vole loin, il ne se limite pas toujours à une seule personne, mais à tout ce qui vous passionne, comme d'être en immersion dans un pays inconnu. Capricorne, en ce moment, certains natifs réfléchissent à une constatation qu'ils ont faite cette année. L'amour qu'ils croyaient éternel n'est pas forcément durable. Verseau, on veut absolument vous plaire, vous charmer, mais est-ce parce qu'on est conquis ou parce qu'on attend quelque chose de vous? Bon, peut-être les deux. Poisson, vous recevez de bons influx, deuxième décan, mais attention au débordement de votre imagination. N'allez pas vous construire tout un roman dans votre tête. Bélier, tout baigne dans l'huile de bronzage, j'espère, mais le troisième décan doit gérer un proche, un parent, peut-être qui lui fait parfois vivre des journées un peu infernales. Taureau, une très agréable réunion familiale pourrait être programmée ces jours-ci. Vous serez particulièrement heureux d'avoir toute la famille autour de vous. Gémeaux, le Soleil et Vénus vous regardent avec bienveillance, hein, deuxième décan. Et il se peut qu'un simple flirt se transforme en quelque chose de plus profond et de plus sérieux. Cancer, dans le cœur du Soleil, dont elle ne peut être plus proche, Vénus aura une grande influence. Si un conflit vous préoccupe, deuxième décan, un accord devrait être trouvé. Bonne journée. Bonne journée, merci Christine. Et je vous rappelle que vous retrouvez vos affinités et dates clés de l'horoscope 2019 avec Christine Haas au 3210, 50 centimes la minute et sur RTL.